Allez, on vient dire au revoir à tout le monde. Demain, grand départ, Inch'Allah. On va se faire un grand repas chez maman. Bon, allez, on vient dire au revoir à tout le monde. Oh, on va se faire un bon petit repas, tous en famille. Un repas du départ. Miam. Oh, on va se faire un bon petit repas, tous en famille. Un repas du départ. Miam. Elle n'entend pas ma voix. Yala, c'est ma femme. Attends, on se revoit. Elle n'entend pas ma voix. Yala, c'est ma femme. Attends, on se revoit. Elle n'entend pas ma voix. Yala, c'est ma femme. Petit cadeau de la part de ma chérie Fatem Hafsa. Ma chérie et Leïla. Elles sont trop mignonnes. J'ai jamais vu avec. Regardez les filles qu'elles m'ont pris, elles sont trop trop belles. Merci mes pitchers. Trop chaud. Petit cadeau de la part de ma chérie Fatem Hafsa. Ma chérie et Leïla. Elles sont trop mignonnes. J'ai jamais vu avec. Regardez les filles qu'elles m'ont pris, elles sont trop trop belles. Merci mes pitchers. Trop chaud. Petit cadeau de la part de ma chérie Fatem Hafsa. Ma chérie et Leïla, elles sont trop mignonnes. J'ai jamais vu avec. Merci. Franchement, les filles, on repart avec plein de cadeaux. Ça, c'est ma petite chérie Fatem qui me l'a pris pour mon bébé Islem. C'est un petit pyjama. Petit bateau. La qualité, elle est trop, trop bien. J'aime trop. Parfait. Pour Dubaï et tout, il est léger. Il est trop joli. Franchement, les filles, on repart avec plein de cadeaux. Ça, c'est ma petite chérie Fatem qui me l'a pris pour mon bébé Islem. C'est un petit pyjama. Bon, viens, on arrive à la maison, c'est tout propre. La satisfaction et c'est tout propre, ça sent trop bon. C'est nickel. Bon, allez, maintenant, on va faire un gros dodo. Bon, viens, on arrive à la maison, c'est tout propre. La satisfaction et c'est tout. Savoir que je suis avec une autre quand j'irai bon en bas. On s'attache, c'est ça qu'on accepte. Faire nos paillons discrets, c'est ça qu'on aime. On se dans la chambre, la 407. On se tombera dans nos petits sapons. Entre nous, y'a aucune aide. Je suis dans la 407. Entre nous, y'a aucune aide. On s'attache, c'est ça qu'on accepte. Dis-moi, on jette, mais tu pas qu'on accepte. Coucou mes beautés, j'espère que ça va. Bon, les filles, déjà, nouvelle souk, nouvelle couleur. Bon, je pense que vous allez kiffer, je vais tout vous montrer après, les filles. Je suis rentrée, ça y est, je l'ai fait avant-hier. J'ai craqué, j'ai dit, allez hop. Franchement, le brun, c'était bien beau, mais là, j'en pouvais plus. Bref, on parlera de ma coupe après, ok? On va parler de mon absence là. Sachez, les filles, que je suis partie vérifier, ça fait que 7 jours que je suis pas là. Ça fait que 7 jours. Quand je snap pas, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais ça fait bien qu'une semaine. Bon, alors je vais vous expliquer dans les grandes lignes, les filles. Sachez que déjà, je suis très très concentrée sur quelque chose. C'est pour ça que quand j'étais en France, là, j'avais un petit peu mis. Même tout le mois de février, franchement, j'étais pas présente. De toute façon, je vous avais prévenu, c'est pas comme si je vous l'avais pas dit. Je vous avais prévenu, là, je suis trop concentrée sur quelque chose qui va bientôt sortir, Inch'Allah. Donc, j'ai trop trop hâte. Et donc, après, je me suis coupée le jour où on a fait le repas en famille et tout. J'avais envie de profiter à fond d'eux et tout. Après, je me suis dit, genre, je reprends mes marques et tout. Genre, mon appartement, mon cocon qui m'a trop manqué et puis je reviendrai tranquille. Sauf que malheureusement le destin a décidé autrement. Avec Islem, on a chopé une intoxication alimentaire plus la grippe plus une rage de dents. Donc hier je suis partie me faire soigner mes caries. Avant-hier du coup j'ai appelé les docteurs à la maison. Bref, ça je vous ferai une petite story time parce que choquée en fait pour Islem et moi du prix que j'ai payé, les filles. Bref,
Mais en fait, je me suis dit, la santé, ça n'a pas de prix, on est tellement pas bien ici, il ne faisait que vomir et tout. Enfin bref, j'ai fait ma... Non, c'était pas avant-hier, c'était il y a 3 jours. Après, ça allait mieux, ça va le lendemain. Je suis partie faire ma couleur aussi, les filles. Et voilà ce que vous avez arrêté pendant une semaine. Faut retenir que je suis focus sur quelque chose. Là, tout le mois de février, les filles, j'étais pas trop présente, mais c'était pour la bonne cause. Non, mais beauté, je suis pas blonde. J'ai fait un balayage caramel. Voilà, parce que franchement, comme je vous disais, les filles, alors le brun, c'est très joli, c'est très beau, c'est ma couleur naturelle. Sauf que ça durcit trop. Je trouve que ça durcit trop. Et en fait, ça rend un peu, genre, je sais pas, ça rend méchante. Alors que cette couleur-là, je trouve que ça adoucit, c'est plus doux et tout. Enfin, j'aime trop. Donc voilà, je suis partie faire ça, les filles. Je vais tout vous partager. Je suis partie, alors je vous explique. Vous vous souvenez quand à chaque fois je mets des photos, vous me dites ton prime. C'était en été 2022. Ouais, 2022. Vous savez, c'était qui m'avait fait ma couleur, les filles? C'était Emery. En fait, sur le coup, je l'avais pas aimé. Donc j'avais été voir ma mère, il m'avait fait une patine. Mais la technique et tout, en gros, c'était Emery. Et j'ai repensé à ça. Puis en fait, là, je reveux comme l'été. Et en fait, il m'a refait exactement pareil. Et là, sachez que cet été, Inch'Allah, j'aurai comme l'été 2022. Il m'a refait la même technique, la même couleur, tout. On a juste fait un petit dégradé. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Je trouve que ça fait mieux, les filles. Ça fait plus de coupe, plus de volume. Ça fait plus femme. J'aime trop. Voilà, donc c'est Emery, les filles. Emery, pour celles qui savent pas, c'est qui? C'était mon coiffeur quand je suis arrivée à Dubaï. Après, il avait des petits problèmes et tout, donc de là, j'ai rencontré Mehmet. Mais sinon, Emre, c'était mon premier coiffeur. Et franchement, il est trop gentil. De toute façon, je vais tout vous partager. Il est super, mais super fort dans tout ce qui est technique et tout. Vous allez surkiffer, les filles. Donc voilà, c'est lui qui m'a fait ça. On a fait un petit, vous voyez, un petit contouring comme ça devant. J'ai coupé un peu la mèche rideau. Bref, j'ai restructuré mon visage un peu parce que ça allait plus du tout. Et oui, mes beautés, je suis partie vérifier tout à l'heure. Ma dernière story, c'était le 13 février. On est le 20. Ça fait que 7 jours. Je vous ai dit, mais moi, ça m'a choqué. Je dis, quoi? Ça fait que 7 jours? Mais ouais, ça fait que 7 jours. Voilà, mes beautés, ce que vous avez raté pendant la semaine. Je vous ai dit, je suis en train de travailler sur quelque chose. Là, ça va bientôt sortir. Donc, j'ai trop, trop hâte. Vraiment, j'ai trop, trop hâte. Vous allez surkiffer. Faites-moi confiance, vous allez trop, trop aimer. Donc on est rentré le 15, sachez que toujours pas fait les courses, parce que du coup bah, après on est tombé malade. Donc là je pense que je vais y aller après, faire le plein de courses. J'ai pas cuisiné une seule fois, enfin j'ai cuisiné un peu pour mon fils, mais en gros j'ai pas fait de gros repas et tout, on commandait la plupart du temps. Après ça va, à Dubaï il y a beaucoup de plats équilibrés, même sur Deliveroo et tout. Franchement j'avais pas la force, mais le frigo il est vide, il y a même pas de boisson, il y a rien, donc on va aller faire le plein de courses ensemble. Je vais prendre mon petit rythme tranquille, j'ai retrouvé ma maison. Quand je suis rentrée, il y avait ma petite nounou d'amour, elle avait tout rangé, c'était tout propre, ça sentait trop bon la lessive et tout. J'ai acheté et j'ai rangé toute ma skincare coréenne, faut que je vous fasse un update, vous allez être choqués, je vais vous poster ma peau. Bref, je vais tout vous mettre là, ce que vous avez raté pendant une semaine. Regardez les filles, ce que j'ai eu en cadeau. Mon premier sac Chanel. Devinez de qui? De quelle marque? Musk Intime. Ils m'ont offert ce sac Chanel là. Il est magnifique. Je vais vous le montrer. Je l'ai porté hier, les filles. Il est sublime. Franchement, mon petit outfit et tout, il est canon. Bon, les filles, nous y est. Sachez que je n'en pouvais plus. Je suis partie chez le coiffeur, j'en pouvais plus de ma tête. Je me suis dit, allez, je fais brune. Carré. Après, j'ai dit, non, vas-y, flemme. Le brun, ça me durcit trop le visage. Je suis partie chez Emery. J'ai trop bien été accueillie. Pour la petite histoire, Emery, c'est mon coiffeur. Quand je suis arrivée à Dubaï, je l'ai connu en 2019. Il a eu des petits problèmes, il s'est absenté pendant 2 ans. C'est de là que j'ai rencontré Mehmet. Et après, il est revenu. Et c'est lui qui m'avait fait ma couleur en été 2022. Je vais vous remettre des photos après. À chaque fois, je la poste. Vous me dites, souk ton prime. Sachez que c'est lui qui me l'avait faite. Il a sa signature. Il est trop, trop fort dans tout ce qui est balayage. Et sa particularité, les filles, je vous jure, il n'abîme pas les cheveux. Il fait en sorte de ne pas abîmer les cheveux. Il a ses petites techniques. C'est un Turc. C'est la deuxième personne à qui je confie mes cheveux. Jamais confié mes cheveux, à part Mehmet et Emery. Et Emery, il est aussi très, très fort. Et j'aimerais du coup lui donner beaucoup de force parce que c'est vrai que bah, du fait qu'il ait eu un problème et tout, bah, j'ai un peu coupé. Enfin, on s'était perdu de vue, mais je vous jure qu'il est super fort. Et regardez-moi le résultat, les filles. On a coupé. C'est lui qui m'a tout fait. Il m'a dit, on va te faire cette coupe, ça va te rajouter du volume, ça va faire plus femme et tout, tu vas kiffer. Je lui fais confiance de A à Z. Et regardez-moi ce résultat juste digne, les filles.
Franchement, il est trop fort. La couleur, elle est magnifique. J'ai un beau balayage caramel miel blond comme je voulais. Et sachez que ça va encore s'éclaircir. Je vous dis que l'ensemble blanc et cette paire-là, ils viennent d'une boutique que je vous partage bientôt avec qui je travaille maintenant. Avec qui je vais prochainement travailler. Vous allez surkiffer les filles. Sachez que la qualité, elle est incroyable. On dirait trop des vraies. Mais elles sont tellement belles. Mes beautés, je suis choquée de tous les messages que je reçois. Je vous aime trop. Les filles, bon là on a parlé un peu cheveux, on a parlé de mon absence des 7 jours, même si on dirait que ça fait 2 mois. Faut qu'on parle skincare. Là, quand je vais me démaquiller, on va la faire ensemble. Wallah, les filles, vous allez être choquées. Mais choquées. Maintenant, en gros, avant, ce qui m'empêchait de sortir genre sans make-up, c'est pas ma tête ou quoi. C'est que j'avais des petites imperfections. Sachez que je les ai plus du tout. Et maintenant, sortir sans maquillage, vu que j'ai la glass skin, ça me dérange plus du tout. Vous allez être choqués. J'ai pris plein de nouveaux produits en plus. Oh là. Attendez, parce que ma gua sha, sachez que je fais la gua sha aussi maintenant. C'est super important. Je trouve que ça m'a tracé ma jawline. C'est de la bombe atomique, il faut que je vous montre. J'ai pris ces pads-là qui sont magnifiques. Ce masque-là, les filles, mais incroyable. C'est au haricot rouge. Alors, sachez les filles que celui-ci, à ma grande surprise, pourtant c'est celui vraiment que je voulais trop essayer, que j'aimais trop. J'ai l'impression qu'il m'a fait des petits boutons, donc je l'ai arrêté. Genre, j'arrive à voir quand un produit me va pas, je l'ai arrêté directement 2 jours après. Non, après, je sais pas, hein. Peut-être qu'il faudrait que je le réessaye, mais voilà. En tout cas, tout le reste de la bombe atomique. Mais vous allez choquer de ma peau, attendez après. Bon, mes beautés, là, j'ai un peu trop raconté ma vie. Je vous raconte vite fait, genre, je vous explique vite fait un peu le programme. Et après, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vous reprends tout à l'heure. On fera la skincare ensemble. Chez nous, il est déjà 21h, les filles, j'ai plein de petits trucs à faire. Déjà, j'ai couru toute la journée. J'étais grave occupée. J'avais plein de trucs à faire. Bref, donc là, moi, je suis rentrée à Dubaï spécialement pour quelque chose. Donc, je vous parlerai très bientôt. Et après, on va sûrement aller faire le ramadan en France. Peut-être pas le début, peut-être pas la première semaine, mais tout le reste, on retourne en France. En plus de ça, il y a les travaux qu'il faut que je vous montre. Là, ça a démarré chez ma mère. Vous avez vu, on casse tout, on fait tout. Une belle maison moderne et tout. J'ai trop hâte. Donc, on commence par le bas, la cuisine et tout. Ma mère va pouvoir faire des trop belles recettes. Et du coup, bah, je pense que moi, quand je vais arriver, la cuisine, elle sera déjà posée. Inch'Allah, comme ça, on va vous faire des bêtes de recettes dans la cuisine de maman et tout. Bref, donc là, je suis trop contente d'être là, d'avoir mon chez moi, mais ma famille me manque quand même trop. Donc voilà, je vais faire la première semaine ici, je pense, et après je vais je pense même pas, c'est même sûr, et après je fais vite fait ce que j'ai à faire, je mets tout en place et tout, après ramadan, et après je reviens. I know who I am. I love who I am. I like what I do, and I like how I do it, and I like my mistakes, and I like the way I learn, and I like the I know who I am. I love who I am. I like what I do, and I like how. Les filles, je suis partie vite fait en bas parce que mes rideaux, ils sont tombés. Je leur ai demandé s'ils avaient une échelle. Regardez comment j'ai grossi, les filles. C'est quoi, ça? Je suis revenue de France. Bon, je suis trop contente hein, parce que c'est ce que je voulais. Mais bref.
Bon, mes beautés, quand j'étais chez maman, c'était trop dur de vous montrer ma skincare et tout parce que le cadre faisait que, bah voilà, c'était compliqué. Bon, là, je suis chez moi, dans ma beauty room. Je peux bien tout vous montrer, donc restez bien attentifs. On va faire du coup ma skincare ensemble. Donc, je vous ai dit, j'ai acheté des nouveaux produits. Ça, là, le Anuya, c'est des pads, ils sont incroyables. Donc, j'ai deux routines. J'ai une routine du matin et j'ai une routine du soir, ok? Donc, celui-ci, les filles, vous m'avez dit, Souk, il est déjà vide. Non, en fait, c'est ma Hafsa qui me l'a offert. Et elle me l'avait ramené, il était là, genre, les filles, il était déjà entamé. C'était juste pour que je le teste. Ah, mais voilà. Du coup, bon, je l'ai testé. C'est parti, je vous montre ce que j'utilise pour ma routine du soir. Mais regardez déjà les filles, ma peau, mais c'est une dinguerie. Hein. Franchement, vous allez être choquées, choquées, choquées. Quand je vais me démaquiller, vous allez être choquées. Bingo mes beautés, vous avez trouvé. Sachez que les claquettes que je portais aujourd'hui, ça vient de Belle Mirage. Je vais travailler avec elle, donc je suis trop contente parce que franchement, j'aime trop trop ces vêtements. Ils sont trop trop beaux. Quand j'avais été chez le coiffeur dernière fois chez Adam, en fait, la boutique de Belle Mirage, elle est collée. Et j'ai pris le pantalon blanc là que j'ai mis hier. La chemise, ça vient de là-bas. J'ai pris la paire de claquettes Inspi Hermès. C'est exactement les mêmes. Elles sont sublimes, la qualité, elle est magnifique. Bref, j'ai pris plein de petits trucs les filles, je vais vous faire plein de hauls Belle Mirage. Je sais que vous kiffez cette marque, j'aurai des codes du coup pour Belle Mirage. Je sais que je me suis équipée pour vous faire des trop belles vidéos, ok? Je me suis équipée, j'ai acheté un trépied, j'ai acheté une trop belle lumière et tout. Donc voilà, je vais vous faire, maintenant on va faire tous les tutos. Vous voyez là le cadre il est beau, vous voyez bien le visage, on voit bien les articles et tout, c'est beaucoup mieux. Parce que quand j'étais chez ma mère c'était une catastrophe. Ça aussi, d'un côté, j'avais trop hâte de rentrer. Mais bon, alors, du coup, c'est parti. On fait... Avant de démarrer cette skincare, du coup, je voulais vous expliquer les filles, les étapes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se perdre un peu. Il y a tellement de produits, il y a tellement de marques, on ne sait pas souvent quoi prendre. Alors, sachez que déjà, il faut surtout voir votre type de peau. Moi, les filles, j'ai une peau mixte à grasse. Vous voyez, là, genre, ça brille un peu sur la zone T. Voilà, donc moi, j'ai une zone mixte à grasse. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Le soir, je fais ce qu'on appelle le double nettoyage. Ok, donc en fait on va se nettoyer le visage avec cette huile de chez Anua qui est juste géniale. Et on va ensuite enlever tout ce qui reste, tous les petits résidus de make-up qui restent avec du coup notre gel nettoyant. Donc moi je vous montrerai après le mien c'est lequel. Et ensuite je vous explique les étapes. Donc c'est toner, vous pouvez mettre 7 couches de toner, moi j'en mets 2, ouais. Donc c'est toner, essence, sérum, contour des yeux, crème hydratante et baume pour les lèvres. Voilà. Les filles, je suis en train de me démaquiller. Sachez qu'avant, moi, je me démaquillais avec l'eau micellaire. Sauf qu'avec cette huile-là, c'est le best-seller de la marque Anua. Elle est magnifique. Franchement, elle retire tout, mais vraiment tout le make-up en un passage. Voilà. Après, vous passez à l'eau, vous aurez déjà plus de maquillage. Deuxième étape, les filles. Du coup, je rince le visage avec ma mousse nettoyante. Donc moi j'utilise la Soda Pore Cleansing de chez Olika Olika. Elle est trop trop bien, elle est géniale. Franchement ça va permettre d'enlever toutes les résidus de make-up. Ils sont trop trop bien ceux-là. Bon, ça se présente comme ça les filles. Hop, vous venez attraper avec la petite pince. Voilà. En fait c'est du toner mais en mode coton. C'est trop trop agréable, c'est bien frais. On va laisser un peu poser et en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir étaler tout le toner sur le visage. Voilà. Donc, une fois que vous avez laissé poser, en fait, vous venez faire comme ça. Voilà. C'est la marque Anua, ils sont vraiment top.
Ensuite, vous pouvez rajouter un toner. Je vais mettre celui de chez Some By Me. C'est celui de ma routine du soir. Il est trop trop bien. Voilà, je l'applique comme ça. Ensuite, je perds pas de temps. Je mets directement la bave d'escargot. La bave d'escargot, faut bien l'appliquer sur une peau humide. Comme en fait, moi, je perds pas de temps. Dès que je mets le toner, je mets direct la bave d'escargot comme ça. Alors ensuite, pour mon sérum, les filles, je mets celui-ci. Hop, c'est la marque AZXY. Il est trop, trop bien. Je mets ensuite, les filles, mon acide hyaluronique de chez Mizon. Il est trop, trop bien, celui-ci. Il est incroyable. Hop. Bon, on en est là, les filles. On fait sécher. Il n'y avait pas encore la crème hydratante, hein, mais regardez déjà le glow. Incroyable. Bon, là, je viens faire ma petite gua sha. Hop, j'aime trop les filles, ça redessine la jawline et tout, c'est trop bien. Hop, donc je fais comme ça aussi. En fait, ça repulpe le visage, ça remonte tout et tout. C'est dernière étape, je mets mon contour des yeux. Donc moi, c'est le Beauty of Joseon. Celui-ci, il est trop trop bien. Punaise, je les laisse ouverts donc. Bref, de toute façon, faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Je l'appliquer, il est génial vraiment. Et dernière étape, les filles, la crème hydratante. Hop, voilà, ça suffit. Et là, vous allez voir le glow, mais de malade. Mais voilà, franchement, faut prendre le temps. Mais vous allez voir les résultats très très rapidement, les filles. Hop. Et voilà. Ma skincare du soir. J'aime trop ma peau. Elle est incroyable. Regardez, les filles. Regardez comme ça brille partout. Incroyable. Voilà. J'espère que vous avez aimé mes beautés. Et voilà mes beautés, ce que ça donne. Que vous avez vu, les filles, c'est incroyable vraiment. Bon, je vous explique, les filles, là, j'ai tout ça à prendre. Je vais vous montrer mes médicaments. En fait, j'ai fait une... Je sais pas si c'est une gastro ou une intoxication alimentaire. En tout cas, je faisais que vomir. En plus de ça, j'avais de la fièvre, je tremblais, bref. Et ça, c'est mon fils Islem. Mon bébé, il faisait que vomir. Donc, le docteur, elle est venue et tout. Et regardez tous les médicaments que j'ai à prendre. Alors, en fait, les filles, j'ai une grosse carie. J'ai une carie, que j'avais jamais vue. Et en fait, elle est très, très grosse. Et du coup, en fait, pour qu'il me la soigne, je dois prendre de l'amoxicilline pendant 5 jours. Voilà. Regardez tous les médicaments que j'ai à prendre. Je déteste les médicaments. Tous les jours, je dois en prendre 2, ok?
Après, là, j'ai quatre. Il y en a un autre que je suis en train de chercher. Je sais pas, je l'ai mis où. Il y a mes antibiotiques. Je suis sous antibiotiques et j'en peux plus. Je déteste les médicaments. C'est ma phobie. Si je pouvais ne pas en prendre, j'en prendrais pas. Mais j'étais tellement dans un mal que j'ai vraiment pas le choix, en fait. Et ça, là, pour mes dents, les filles, je vous jure que j'ai encore trop mal. En gros, là, j'ai une carie, enfin, la plus grosse, qui n'est pas soignée encore. Parce qu'il faut que je prenne ça. Et j'ai trop hâte que ça en finisse parce que j'ai des rages de dents qui surviennent à n'importe quand. N'importe quel moment, j'en peux plus. Bon, mes beautés, vu que je suis enfin rentrée, demain, Inch'Allah, on reprend les recettes. Donc, je vais aller faire plein de courses. J'ai pris ça, les filles de France, et c'est un mélange d'épices, c'est incroyable. J'ai goûté avec maman, magnifique. Je vais en caler partout. Ce qui est bien, c'est que c'est 100% naturel. Donc voilà, demain on reprend les recettes. C'est quoi ça? Pomme. Tu veux de la pomme, ma vie? Maman, elle te coupe.